Hey, salut tout le monde, c'est Terence44, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grand montage de la fête foraine de Nantes d'été sur le cours Saint-Pierre et Saint-André. Je vais vous faire ça en vidéo. C'est parti. Alors là, nous sommes sur le cours Saint-Pierre. Voilà, on voit qu'ils sont pas tous arrivés, mais petit à petit, quelques changements de place. Comme vous voyez, ça, c'est... Cette année, c'est ici, au lieu de mettre le long où il y a le camion. Tout a changé cette année. Voilà, je vais vous faire montrer les deux cours en vidéo. Vous voyez, là, les marquages, comme chaque année. Le passage pour les piétons, ici et là. Voilà, il y a un manège, celui-là, là, qui met là. Il met 72 heures à se faire monter, exactement. Ça met du temps, des semaines à venir. Du 1er septembre jusqu'à le... Enfin, je vais pas vous dire de bêtises, mais le 2 octobre, je crois. Avec les belles caravanes, comme vous voyez. Le grand montage. Voilà, vous voyez ce manège là qui est très connu. Comme vous voyez, ça arrive, les... ils sont en train d'installer derrière la caravane. Le manège, je crois que c'est le truc, voilà, avec l'espèce de bulle qui est là. Je vais vous montrer derrière, je vais faire le tour. La grande élastique. Et là, le jackpot casino. Ah oui, c'est juste à déplier toutes les machines. Et voilà, là, c'est les chichis, gaufres. Voilà, pour ceux qui savent pas, on est sur le cours Saint-Pierre, dans le cœur de Nantes, au centre de Nantes. Voilà, c'est un peu vide, mais ça arrive petit à petit. Comme vous voyez, l'installation, les échelles et tout ça. Voilà. Kebab. Des jeux, chichi, tout ça. Voilà, les camions qui sont arrivés, mais ils sont pas encore installés. Alors là, on reste sur le cours Saint-Pierre, je vais aller de ce côté-là. Voilà. Voilà le montage qui se fait en ce moment même. Comme là. On va prendre jusqu'à, je pense, tout ça comme place. Là, toute la liste, c'est des camions. Voilà, en cours de préparation. On est dimanche exactement. 15h33. Voilà le montage, comme vous voyez. Voilà, il n'y a rien. C'est quasiment que les camions, les stands qui est là, manège. Et voilà, bon, là, on va aller direction le cours Saint-André qui est juste en face, et on va voir quels sont les modèles. Comme vous voyez là, on est au milieu de la route. C'est les emplacements en fait que les camions se stationnent, que vous voyez là, les arrivages. La caravane, un manège, là un mot Scania qui a dit c'est beauté. Petit délicat, ça forlait en truc. Voilà. Et là, on va arriver sur le cours Saint-André. Et là, place des arrêts de tram du Bussouet Foch Cathédrale. Alors pour ceux qui veulent savoir, on est très servi parce qu'à Nantes, pour se garer, il y a le sous-sol de la parking de la fête foraine, mais sinon, pour trouver une place ici, c'est galère. Non, je vous indique les tramways, ligne 1, et toutes les bus, les C6, les C1, les tramways, la ligne 4, qu'ici, on en trouve notre choix avec le petit train. Voilà. Le petit train nantais qui fait le tour de la ville. Et voilà le cours Saint-André,
toujours au même endroit dans le centre de Nantes. Le montage du jeu casino avec les caravanes. Voilà, il y a encore des emplacements libres qui vont arriver. Hein. Ils ont jusqu'à jeudi prochain exactement le montage. Démarrage 14h vendredi 1er avril septembre 2023 sur le cours Saint-André et Saint-Pierre à Nantes. Voilà. Voilà les petits trucs de gourmandise. Les chichis, les bonbons. Comme vous voyez. Voilà, et là c'est vide, il y a les caravanes qui sont là tout le long. T'as 1, 2, 3 manèges, au fond je sais pas, au fond c'est une belle caravane, magnifique, mais comme vous voyez c'est encore vide, hein. C'est dans la semaine qu'ils vont arriver. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une autre vidéo de la suite des montages. Que je revienne au milieu de la semaine à... Bon, je fais ça assez l'après-midi parce que le matin je vais à la salle de sport. Quant à le reste des jours de l'après-midi, je peux faire mais des vidéos, les montages. Voilà, il y aura moins de jeux vidéo, hein. Je vous ai dit, pour les fans des jeux vidéo, ça intéresse moins, il y a moins de vues. La fête foraine, les matchs de foot, ça ramène quelques milliers de vues. Et les jeux vidéo, quoi, 29, à peine 100. Oh, je pense que je vais arrêter les jeux vidéo et on va s'attaquer à les vlogs et peut-être quelques balades à vélo. Voilà, celui-ci qui est là comme chaque année. Et bien voilà. Voilà les gens, si vous aurez bien aimé. Alors dites-moi déjà si vous voulez une autre suite. Suivez-moi sur mon Instagram, je fais beaucoup de stories. Comme ça vous êtes au courant quand une vidéo va sortir. Quand je vais faire une vidéo, une tournage, que ce soit un truc dans centre-ville, un match de foot, comme vendredi au stade de la Beaujoire, Nantes-Marseille à 21h, la quatrième journée. Et bah voilà, alors dites-le moi si vous aurez kiffé, bombardez les pouces bleus, abonnez-vous, activez la cloche, partagez la vidéo si vous kiffez pour faire montrer à vos proches qu'il y a le grand montage de la fête foraine de Nantes. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo, c'était Rance44, bye.